Vous avez établi vos critères de recherche et vous avez trouvé des propriétés qui vous intéressent. Il est maintenant temps de démarrer les visites. Aujourd'hui, je réponds à 5 questions en 90 secondes sur comment se déroulent les visites de propriété. Es-tu prête, Sarah? Allons-y. Combien de temps prévoir pour une visite? Ça dépend du type de propriété et de sa grandeur, mais un bon estimé serait environ 15 à 20 minutes. Ensuite, une fois que la visite est terminée, on fait toujours le tour de l'extérieur de la propriété pour en discuter ensemble. Qui est sur place lors de la visite? Donc évidemment, lors d'une visite, il y a les acheteurs et leurs courtiers. Parfois, c'est le vendeur qui va ouvrir, parfois, c'est le courtier inscripteur et parfois, on visite par nous-mêmes. Comment être préparé avant une visite? Avant de faire une visite physique, je recommande toujours d'avoir pris connaissance au minimum de la fiche descriptive et de la déclaration du vendeur de la propriété. Aussi, souvent, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour à l'extérieur pour voir si on aime le coin. Quoi regarder lors d'une visite? C'est très important d'avoir un bon plan de match avec nous pour savoir quelles sont les priorités dans votre recherche. Donc, lors de la visite, on va regarder l'environnement extérieur, la localisation, l'orientation, la luminosité, la disposition des pièces, les rénovations, etc. Si j'habite à l'extérieur, comment faire pour visiter? En effet, si vous demeurez à l'extérieur, c'est très possible d'organiser une visite. On peut soit planifier une journée pour se rendre puis faire plusieurs visites, on peut soit planifier une visite virtuelle ensemble où on se connecte avec un téléphone cellulaire. Merci, Sarah. Au plaisir.